Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer la nouvelle tablette de la marque de Jeep. C'est le modèle de T20, 10,4 pouces l'écran, Dooka, 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Et pour commencer, on va regarder tout ce qui est fourni avec. Là on voit déjà le tablette avec la protection. Ici on a le chargeur. On a le notice, un petit aiguille pour le SIM card, le câble, c'est le Type-C de deux côtés, et le stylo. Voilà, le tablette il est déjà prêt d'emploi, j'ai déjà fait les premières installations, les premiers réglages pour vous montrer. Voilà, et pour commencer, je vais vous montrer d'abord la performance, les petites informations, toutes les informations concernant la tablette sur l'Antutu Benchmark. Vous pouvez voir concernant l'écran, la caméra, le carte graphique, le processeur. J'ai déjà fait le premier test. Voilà, vous pouvez voir le résultat, le premier test sur Antutu. Et on va aller sur mon appareil. Et là ici je vais vous montrer tout doucement, vous pouvez voir toutes les informations concernant le tablette. Voilà, donc vous pouvez voir le modèle, la version d'Android, la résolution de l'écran, le mémoire de stockage, le stockage de RAM, le mémoire interne, le processeur, bien sûr 8 coeurs. Voilà la version de la carte graphique. Ici là on a sur l'affichage on peut voir toutes les informations de la carte graphique. Voilà, je fais tout doucement, vous pouvez voir toutes les informations. Et ce qui est plutôt pas mal, la batterie qui est 8300 mAh. Voilà, et tout ce qui est concernant les gamers, les joueurs qui veulent acheter cette tablette pour jouer, je vous préviens que la tablette il n'est pas faite spécialement pour les joueurs, mais bien sûr avec 8 coeurs de processeur et plus de graphique Mali G57, on peut essayer jouer des jeux comme le Asphalt 9 ou PUBG Mobile, des jeux comme ça. J'ai déjà installé l'Asphalt 9 et PUBG Mobile juste pour montrer dans les jeux que c'est possible, bien sûr, jouer des jeux sur cette tablette. Voilà, je vous montrais que les jeux comme Asphalt 9, PUBG Mobile, les jeux pareils, c'est totalement jouable sur cette tablette qui est plutôt pas mal. Là, je vais vous montrer concernant l'image et le son, je vais vous montrer un petit vidéo sur le YouTube, comme ça vous pouvez voir l'image de haute qualité et le son. Thank you.
Je voudrais aussi vous montrer la qualité de la caméra. Moi, je pense pour moi, la qualité de caméra sur tablette, c'est pas très 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 important. Mais moi, je pense que voilà, fait comme ça, la boîte d'origine. Voilà. Moi, je pense plutôt pas mal. Ouais, le caméra, il est pas mal. Hein. Voilà. Voilà. Comme je vous ai dit, le caméra sur un tablette, moi je pense que c'est pas très très important. Le très important pour moi sur les tablettes, très important, c'est l'écran, c'est la qualité de l'image, la rapidité. Voilà. Même pas les jeux, parce que moi je joue pas sur les tablettes ou sur les téléphones portables, même pas les jeux. Juste la qualité de l'image, de la rapidité. Voilà. Et le reste, moi je pense sur la tablette, c'est pas très 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 important. Voilà. Et je vais essayer d'installer le tablette sur le clavier pour voir comment ça marche. C'est la première fois que je vais faire ça. Voilà. Normalement, moi je pense qu'il faut la mettre d'abord en bas où il y a les contacts, ici. Il faut mettre d'abord en bas et après en haut. Voilà. Et voilà. Là, on voit bien la petite flèche de souris qui fonctionne. Voilà. Et la tablette, ça devient un petit ordinateur portable. Et à la fin, je vais vous donner mon avis sur cette tablette. Moi, je suis pas expert, je fais pas des tests sur les plusieurs tablettes. Voilà, je vais vous donner mon avis juste sur cette tablette et à mon avis pour ce prix de 259 € sur Amazon. Par contre, le lien de l'achat, je vais mettre en dessous des vidéos. Vous pouvez aller voir sur le site d'Amazon. Et pour 259 €, je pense que c'est plutôt pas mal, plutôt bien. Que voilà, avec la batterie de 8300 mAh et avec la puissance, avec l'écran de 2K, avec cet écran magnifique en 2K, moi je pense que voilà. Moi, je pense qu'il est plutôt pas mal. Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette tablette. Et le reste, je laisse à vous de choisir. Merci pour regarder cette vidéo. Merci pour tout. Merci pour vos likes, vos commentaires. Si vous avez encore des questions concernant la tablette, vous pouvez bien sûr laisser votre commentaire et je vais essayer de vous répondre. Merci à tous.